It's tea time! Let's go! Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à vous présenter notre tout premier sponsor sur cette chaîne que je remercie grandement pour sa confiance. Il s'agit d'eBike Club. Alors eBike Club, qu'est-ce que c'est? C'est un site où vous pouvez faire vos courses et en même temps vous avez... Attends, de quoi tu parles là? Je suis en train de filmer là. T'es en train de parler d'eBike Club? Oui. Mais j'espère que tu vas leur dire quand même que c'est grâce à moi que t'as découvert ce site. Bon, tu leur expliques aussi la base quoi. C'est quoi un cashback? Ben, en fait, c'est un remboursement d'un pourcentage de l'achat que t'as effectué en ligne ou en magasin et ou sur les bons d'achat. C'est nouveau d'ailleurs, je vais t'expliquer après ce que c'est. Mais justement, je vais leur en parler. Genre, tu veux refaire ta déco qui est un peu dépassée là dans ta pièce, bah tu vas chez Ikea, genre t'as moins 5%. Si tu veux t'acheter un parfum aussi, ce serait pas du luxe, bah t'as carrément moins 7% sur Marionneau quoi. Et en fait, ces bons d'achat, tu peux les utiliser en ligne et ou en magasin suivant les marchands et tu les cumules avec le cashback disponible, s'il y en a un bien sûr, pour te faire encore plus d'économies. En plus là, il y a le Black Friday qui va pas tarder, Noël aussi, commençons à y penser. Donc moi franchement j'ai envie de te dire là, tes abonnés ils vont kiffer, que demande le peuple. Donc quand on dit bon d'achat, carte cadeau quoi, donc si jamais tu veux faire plaisir à quelqu'un, genre tu sais à qui penser. T'oublies surtout pas de leur dire que c'est 100% gratuit, parce que bon des fois les gens ils savent pas. En plus t'as même l'eBike Card, alors en fait c'est une carte genre comme une carte bancaire où tu peux mettre de l'argent dessus et là t'as 0,5% qui sont immédiatement remboursés sur ton bon d'achat. Et naturellement c'est cumulable avec les bons d'achat disponibles sur le site eBike Club. D'ailleurs tu sais cet été quand on est parti, je vous ai dit ouais c'est bon c'est moi qui réserve les billets et tout machin. Pourquoi à ton avis? Parce que par exemple regarde quand j'ai pris nos billets sur booking.com, bah j'avais 4% de remboursé. Ça a l'air de rien comme ça tu vois, mais après quand on a fait toutes nos courses à Auchan, à Carrefour, même quand on a commandé Uber Eats, bah à chaque fois j'avais un cashback qui tombait. Ta brassière et ton short de sport là qu'on a acheté à Decathlon pour que tu fasses genre un peu de fitness pendant les vacances, t'as fait qu'un footing de 30 minutes, tu m'as fait trop de la peine. Bah voilà, chez Decathlon j'ai aussi eu un cashback. Non mais c'est la vie quoi. Ton éclairage là qui fait pitié, ça fait 6 mois que tu dis qu'il faut que t'en rachètes un, bah tu vas sur le site de la Fnac, il est partenaire, t'achètes, t'auras un cashback. Genre tu vois quand on est rentré de vacances, on était là en mode punaise, on n'a plus une thune, comment on va faire, on va manger des pâtes. Je vous ai pas dit. Avec tout ce qu'on avait acheté, enfin avec ma carte, je me suis acheté un ensemble chez Etam. Il est juste trop beau. Parce qu'à partir de 10 euros dans ta cagnotte, tu peux te le faire reverser sur ton compte en banque ou alors ton compte PayPal, bref, peu importe. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que tu crois que t'es dans la dèche, si t'as fait des achats, tu l'es forcément pas. Bah ouais, mais tu connais pas les bons plans, c'est pour ça que je suis là. Ça aussi, punaise, les codes promo, et des fois on n'y pense pas. Hein. Mais il y a plein de codes promo sur le site eBike Club. C'est la folie. Non, mais c'est pour ça que moi j'ai aucun scrupule à acheter parce que quand j'achète, je gagne de l'argent. Qui fait ça? Bon, je te laisse parce que là, il y a une petite paire sur Footlocker qui me plaît. Et naturellement, il y a un cashback. Je choisis. Au revoir. Donc, avec le site eBike Club, ils t'ont filé un lien. Tu le mettras genre en barre d'infos. Alors justement, avec mon lien en barre d'infos, ils auront 6 euros sur leur cagnotte. À 6 euros dessus? Super. Bah du coup, j'ouvrirai un compte à mon mec. Comme ça, bah, je pourrai en profiter aussi, quoi. Merci. Donc, avec le site eBike Club, vous pouvez faire... Bah, tout ce qu'elle a dit, en fait. Elle a fait ça 1000 fois mieux que moi. Bon bah on enchaîne avec la vidéo. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à deux patineuses artistiques. Oui, on change de registre. Aujourd'hui on va dans le sport et on va même remonter le temps dans les années 1990. Il s'agit d'une histoire concernant deux patineuses artistiques, Tonya Harding et Nancy Kerrigan, deux américaines. Et cette histoire a fait pas mal polémique dans les années 90, a fait beaucoup polémique dans le milieu du sport, notamment du patinage artistique, ce milieu très lisse, très élégant, très strass et paillettes, ça on va dire écorché l'image lisse du patinage artistique. Je tiens à remercier mon abonné qui m'avait suggéré cette vidéo il y a déjà quelques temps. Et pourquoi je l'ai retenue? Parce que bah je me suis souvenue quand elle m'a dit les noms, je me suis dit mais je les connais. Trêve de blabla, rentrons dans l'histoire. Que s'est-il passé? Déjà on va commencer par présenter Tonya Harding. Donc elle est née le 12 novembre 1970 à Portland et c'est la fille unique de Lavona Golden et de son 5e époux Albert Gordon Harding. Alors les rapports entre Tonya et sa mère sont très très
très spéciaux, très tendus. En revanche, son père, elle l'adore, quoi. C'est vraiment le jour et la nuit, son père et sa mère. Mais toujours est-il qu'à l'âge de 3 ans, en se promenant avec sa mère, elles vont tomber sur une patinoire. Là, Tonya va voir des gens, des enfants en train de patiner. Elle va dire à sa mère, « Maman, maman, je veux essayer, je veux faire ça. » Elle va chausser des patins et là, on peut dire, son destin va être scellé. Elle va tout de suite être douée, comme si qu'elle avait genre toujours porté des patins. Elle va regarder ce que font les plus grands, essayer de reproduire les mêmes figures. Donc elle va supplier sa mère de continuer à faire du patin, de prendre des leçons. Malheureusement, la famille de Tonya étant relativement pauvre, hein, on peut le dire, payer des leçons, ça va pas être facile. En plus, ses parents déménagent fréquemment, ils vivent dans un mobilhome. Mais sa mère va dire « Ok, d'accord, je vais te payer des cours, mais t'as intérêt à assurer. » Et là, plusieurs rapportent, notamment Tonya elle-même, hein, qu'il est arrivé très fréquemment que sa mère la frappe dans les vestiaires lors des entraînements avec une brosse à cheveux ou lui donnant simplement des gifles avec la main. Elle l'aurait également traînée sur le sol en la tirant par les cheveux. Alors ça, c'était souvent sous l'effet de l'alcool, hein, parce que oui, sa mère a un problème avec la boisson pour ne rien arranger. Malgré que Lavona ait toujours démenti avoir frappé sa fille, il n'empêche qu'il y a une femme un jour qui a été témoin de cette maltraitance qui s'appelle Sandra Lukow, et elle a dit qu'elle a été choquée de la scène qu'elle a vue et elle a voulu aller se rendre au service de protection de l'enfance, mais son entourage lui a déconseillé de le faire en disant que ça ruinerait en fait la future carrière de Tonya si elle était retirée de chez ses parents. Tonya dira même qu'un jour sa mère l'a menacée avec un couteau à steak. Quand elle lui a jeté, elle lui a touché le bras, mais elle, de son côté, Lavona a toujours nié avoir fait quoi que ce soit. Oui, c'est vrai qu'elle disait toujours que sa fille était une bonne à rien, qu'elle était nulle, qu'elle n'était pas assez bonne, mais dans sa tête, c'était comme ça qu'il fallait faire avec elle. Et si on lui disait pas qu'elle était nulle, du coup, elle ne se surpassait pas. Donc en fait, si Tonya, par la suite, va y arriver, c'est grâce au sempiternel rabaissement de sa mère. C'est un peu particulier quand même comme façon de raisonner. Elle lui disait sans cesse également qu'elle était moche, qu'elle était grosse. Enfin, que des choses très gentilles de la part d'une mère. Et c'est pas tout. Tonya va également subir d'autres abus au sein de sa famille. Alors comme je vous ai dit, son père, aucun souci. Hein. Son père, c'était tout pour elle. Il l'emmenait pêcher, il l'emmenait chasser, il faisait du camping, ouais, il faisait vraiment plein de choses avec sa fille. Mais Tonya affirme que son demi-frère l'aurait agressé à plusieurs reprises, et ce, à partir de l'âge de 5 ans, et qu'il aurait même tenté d'abuser d'elle quand elle avait 15 ans, alors que lui en avait 26 à cette époque-là. Mais sous la pression de sa mère, elle n'a pas été portée plainte. Mais encore une fois, la mère de Tonya dit que c'est jamais arrivé, tout ça, elle l'invente complètement. Qui croire ? Donc on a une Tonya qui grandit tant bien que mal avec une mère tyrannique qui l'empêche même d'aller aux toilettes lors des entraînements, parce que faut pas non plus pousser quoi, l'entraînement coûte cher, donc faut pas perdre quelques précieuses minutes en allant aux toilettes. Elle lui confectionne également elle-même ses costumes pour les compétitions, tout ça. Et Tonya, malheureusement, n'étant pas issue d'un milieu très aisée, elle va être mal vue par le milieu. On va souvent se moquer d'elle, se moquer de ses tenues, se moquer de sa coupe de cheveux. Normalement, en fait, si vous voulez, ce sont pas des pauvres qui prennent des cours de patinage artistique. Vu que ce sont des cours qui coûtent très très cher, normalement, c'est des familles, on va dire, dans de bonnes conditions financières qui inscrivent leurs enfants là-dedans. Donc Tonya faisait tâche. En plus, elle avait quand même son caractère, et ça n'a pas toujours plu à tout le monde. Toujours est-il que sa mère va lui trouver un entraîneur en la personne de Diane Schwartz Rollinson, et elle justement, elle dira que Tonya, elle avait de la peine pour elle, quoi. Elle voyait bien qu'elle vivait dans un environnement assez pauvre, qu'en plus de ça, elle était mal encadrée, il n'y avait pas vraiment de règles de vie, on va dire. C'était très strict sur la glace, mais en dehors de ça, il n'y avait pas vraiment de surveillance. Bref, c'était pas la meilleure des éducations qu'elle recevait. Elle va d'ailleurs elle-même payer les leçons
de Tonia a également elle-même participé en grande partie aux dépenses pour Tonia afin de lui obtenir des patins, du temps sur la glace. Enfin, voilà, va vraiment être très concernée par le cas de Tonia et essayer elle aussi de l'aider pour pouvoir être présentable, pour pouvoir s'entraîner correctement. Sa mère, elle a fouté des paillettes partout sur ses costumes, histoire que ça rende beau. Peut-être si on peut pas lui jeter la pierre, vu qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais du coup, cette fameuse Diane était bien consciente, en fait, que pour Tonia, le patinage artistique était son ticket de sortie, en fait. C'était la chance qu'elle avait pour pouvoir se sortir de cette misère. À l'âge de 15 ans, Tonia va rencontrer un jeune homme du nom de Jeff Golouling à la patinoire. Elle est en train de s'entraîner et lui, il vient souvent la regarder, tout ça. Donc là, elle a 15 ans, lui 17. Ils vont se mettre ensemble. Pour elle, en plus, c'est une façon de se sortir justement de cette situation familiale très compliqué. Ils vont se marier en 1990. Malheureusement, c'est pas vraiment le prince charmant, quoi. Lui aussi, il va abuser d'elle. Lui aussi, il va la cogner à plusieurs reprises. Et à ce sujet, Tonia déclarera que c'est à cause, en fait, des expériences qu'elle a eues avec sa mère, qu'elle était devenue, en quelque sorte, conditionnée à croire que quelqu'un pouvait la frapper tout en l'aimant simultanément. C'est triste de penser comme ça. Mais malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. Donc, pour en revenir à Tonia Harding en tant que patineuse, comme je vous disais, elle collait pas à l'image qu'on se faisait d'une patineuse artistique. Elle n'était pas gracieuse et élégante. Elle, en plus, elle aimait faire ses routines sur des musiques rock, voire même du rap. Elle avait un petit peu une allure de garçon manqué. Elle n'a pas fait d'études. Donc voilà, tout ça, ça ne la rend pas populaire non plus, hein, à part la fédération, tout ça, auprès du grand public. Mais pour autant, force est quand même de constater qu'elle est très très forte. Tellement forte que lors des championnats des États-Unis en 1991, elle va réaliser pour la toute première fois dans l'histoire du patinage artistique américain, je précise, un triple axel avec une réception en plus parfaite. Et ça, bim, naturellement, ça l'a fait rentrer dans la légende. Elle le réalisera encore sans faute au championnat du monde à Munich en 1991. Donc voilà, succès, c'est elle qui remporte les médailles. Elle est en première place sur le podium. Mais parallèlement, est en train de monter une certaine Nancy Kerrigan. Et Nancy, c'est tout l'inverse de Tonia. Elle est grande, elle est fine, elle est lancée, elle est, on va dire, une sorte de princesse Disney. Tant et si bien que, justement, elle est sponsorisée par Disney, entre autres. Également par Vera Wang, voilà, qui lui dessine des costumes et tout. Donc voilà, elle attire vraiment des sponsors de par sa grâce, son élégance. Elle a un sourire digne d'une pub de dentifrice. Certains disent même qu'elle a un port altier, aristocratique même, et du coup tout le monde la prend pour une riche. Que nini. Elle vit dans une toute petite maison de la banlieue de Boston. Ses parents, tout comme ceux de Tonia, n'ont pas des revenus de dingue. Sa mère est au foyer, et donc non seulement physiquement c'est l'opposé de Tonia, mais en plus dans son patinage c'est également pas du tout la même chose. Elle, c'est pas sur des morceaux de rock ou de rap qu'elle patine, mais c'est sur des musiques de films du style Né un 4 juillet, des sons patriotiques, enfin voilà, des choses qui passent mieux, en fait, tout simplement, pour les juges. Donc voilà, tout le monde la trouve super belle sur la glace, tout ça, tandis que de son côté, Tonia se mange des réflexions. Alors il y a carrément un juge un jour qui va l'attraper après une prestation et lui dire « Si tu remets un truc pareil pour un championnat américain, tu n'y participeras plus jamais. » Et il y a d'ailleurs une ancienne entraîneuse, une autre de Tonia, qui s'appelle Dodie Teachman, qui dit qu'elle ne voulait pas rentrer dans le moule avec son look, ses costumes, sa musique. En fait, ça l'a gonflée, elle comprenait pas pourquoi fallait être belle et lancée. Pour elle, tout ce qui comptait, c'était la technique, l'exécution des mouvements, de la choré, des figures. Donc elle, son patinage était beaucoup plus, on va dire, dynamique, beaucoup plus puissant que Nancy, qui elle, certes, était très bonne en technique, hein, mais avait un patinage beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Bon, on aurait dit une princesse sur la glace, quoi, tout simplement. En plus, pour ne rien arranger, Tonia fume, Tonia boit vite fait un peu d'alcool. Et elle parle un peu comme un charretier, quoi. Elle jure. Donc, bon, forcément, dès qu'on compare Nancy à Tonia, il n'y a pas faux.
photo, quoi, en gros. Et en quoi tout ça c'est important? Parce que au-delà du fait d'être la meilleure, n'oublions pas qu'il y a aussi beaucoup d'argent en jeu. Elles sont toutes les deux d'un milieu populaire, hein, là-dessus elles sont ex aequo, à part que Nancy a des parents très aimants, alors que du côté de Tonya, voilà quoi. Donc les sponsors, l'argent des sponsors et l'argent qu'on peut gagner quand on est médaille d'or, surtout aux Jeux Olympiques, on va en reparler après, ça fait toute la différence en fait. Donc là, Nancy commence un peu à être une menace pour Tonya, parce qu'elle a les faveurs des juges également, les faveurs du public. Elles vont se retrouver en compétition pour les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Et là, Tonya va refaire son triple axel, sauf que malheureusement, elle va chuter. Donc, la médaille olympique n'est pas sous le nez. Elle est quatrième, donc elle n'est même pas sur le podium, alors que Nancy, de son côté, bon, n'est pas la première, mais elle est troisième sur le podium. Bon, suite à ça, Tonya va fumer de plus en plus. Elle va prendre du poids. Bon, concrètement, ça va pas être terrible, quoi. D'autant que son mariage avec Jeff bat grandement de l'aile. Ils s'étaient séparés, puis finalement, ils sont retournés ensemble. Bref, leur relation est hyper toxique, assez compliquée. À mon sens également, hein, je pense que à vouloir tout le temps les comparer dans les médias, les mettre vraiment en rivalité, je pense que ça a aussi grandement affecté Tonya, hein, parce que bon, je pense qu'elle a des yeux pour voir que cette fille c'est une rivale, mais si en plus toute l'Amérique s'y met, et si en plus tout le monde dit que de toute façon Tonya elle est moche, elle jure, on n'aime pas son style et tout machin, et que l'autre à côté, oh, mon Dieu qu'elle est belle. Bon, moi ce que je constate en tout cas à ce niveau-là, c'est que c'est triste. Elle a une fanbase qui est consciente de son talent, mais si on pouvait trouver une nana plus jolie, qui plairait à toute l'Amérique, ça serait encore mieux quoi. Franchement, c'est dégueulasse en fait. Donc voilà, on en est à là. Dans cet état d'esprit, en novembre 1993, nous sommes à la veille des qualifications régionales pour les Jeux Olympiques. Tonya n'est pas prête, hein. Comme je vous ai dit, donc elle fume, elle a pris du poids, tout ça. Et il va y avoir un appel anonyme qui va être passé aux organisateurs, je ne sais plus exactement comment on peut les appeler, les juges, enfin bref, ceux qui organisent tout ça. Un appel anonyme donc disant que si Tonya monte sur la glace, il y aura un sniper prêt à lui tirer une balle entre les deux yeux. L'affaire va être prise au sérieux, du coup les qualifications vont être annulées. Tonya, vu ce qui s'est passé, elle est quand même qualifiée d'office en fait, donc elle pourra concourir aux Jeux Olympiques. Et par la suite, ça va jaser justement, après tout ce qui se passera après, certains vont repenser à cet événement en se disant, est-ce que c'est pas Tonya qui aurait orchestré cet appel, serait donc quelqu'un de son camp, hein, de son équipe, qui aurait appelé pour faire une fausse menace afin qu'elle ne passe pas les qualifications parce que peut-être qu'elle ne les aurait pas réussies. En plus là, ça se passait chez elle dans l'Oregon, donc si elle loupait, c'était la honte quoi, c'était sa ville natale quoi, où elle avait principalement sa grande fanbase. Et voilà, il n'y a pas de preuves. Donc voilà, ce sont juste des rumeurs qui ont tourné à cette époque-là. Toujours est-il que peu de temps après, le 6 janvier 1994, nous sommes à la Kobo Arena de Détroit, 6 semaines avant les Jeux Olympiques d'hiver de 1994, lorsque Nancy Kerrigan est en train de s'entraîner. D'ailleurs, on voit, il y a des caméras ce jour-là qui filmaient. Elle est en train de s'entraîner. Elle sort de la patinoire pour aller se rendre dans les vestiaires. Là, la caméra ne la suit pas, mais on va entendre Nancy hurler quelques secondes plus tard. Les caméras reviennent et là, c'est le choc. On a tous vu une Nancy en train de hurler, assise par terre. Pourquoi? Pourquoi? Why? Why? And her nose some hard, hard black stick. I came through the curtains and I just heard a smack. Un homme l'attendait avec une barre en fer et l'a violemment frappé à la jambe droite, sa jambe de réception, lorsqu'elle fait des sauts. Et là, certains, sans trop y croire, se disent « Ah, est-ce que ça serait pas Tonya qui serait derrière tout ça ?» Au début, c'est dit comme une blague, parce que voilà, on sait que c'est sa grande rivale et tout. Mais après, certains vont quand même se poser la question sérieusement, parce que du coup, Nancy, elle a rien de cassé, mais elle a quand même un bon hématome. Enfin, c'est quand même pas terrible ce qu'elle a. Du coup, elle ne pourra pas concourir le lendemain. Donc,
il y a certaines questions qui vont commencer à se poser. Nous reviendrons sur tout ça plus tard, car le lendemain, Tonya Harding remporte la médaille d'or au championnat américain de patinage artistique de 1994 donc, et elle assure sa place aux Jeux Olympiques d'hiver de Lillehammer qui auront lieu en Norvège, tout comme elle l'avait espéré. Mais Nancy verra également sa place assurée grâce au soutien de ses collègues patineurs, parce que bon, là c'est pas de sa faute quoi, elle s'est fait attaquer, donc sa place elle l'aurait sûrement gagnée, donc elle aussi elle pourra, si elle est rétablie, concourir aux Jeux Olympiques d'hiver. Toutefois, une enquête va être ouverte, elle va même être confiée au FBI pour découvrir qui s'est attaqué de la sorte à Nancy. Et là, très rapidement, l'étau va se resserrer autour du compagnon, parce que là ils sont divorcés, de Tonya Harding, Jeff Goldwing. Bon, Tonya, elle refute, hein. Non, elle n'a rien à voir du tout avec cette histoire. Le jour de l'attaque, elle était chez elle, dans son lit, elle dormait, elle se reposait pour les championnats donc du lendemain. Mais il va y avoir un acharnement médiatique autour d'elle. Elle va être suivie par la presse lors de tous ses entraînements, lors de tous ses déplacements également. Là, les tabloïds sont en furie. En fait, il y a eu une couverture médiatique, je vais pas dire sans précédent, parce que, bon, voilà, il y a déjà eu des événements, mais comme ça, pour des patineuses artistiques, en tout cas, c'était du jamais vu. Là, c'était vraiment, tout le monde s'était emballé pour l'affaire. Et du coup, les tabloïds soupçonnaient également grandement Tonya d'être derrière le coup. Donc, ils ont même fait des crasses pour pouvoir remplir leur colonne. Donc on rapporte qu'ils ont crevé ses pneus de voiture, histoire d'avoir des photos d'elle en train de galérer avec sa voiture. Ils ont piraté sa boîte mail. Et il y a même, d'après ce que j'ai lu, une équipe de télévision japonaise qui a fait exprès de déclencher l'alarme incendie de son hôtel afin qu'elle sorte en pyjama pour pouvoir avoir une interview. C'est quand même allé très loin. Mais alors, ce qui paraît le pire, ça a été carrément d'avoir embauché un sosie de Tonya afin de faire un tour dans le jardin de la famille Kerrigan, donc de Nancy, pour voir s'il se passait quelque chose. Complètement ridicule, enfin, d'aller payer un sosie pour que la fille, genre, prendre des photos d'elle en train d'épier la maison de sa rivale. C'est... Bref, comme je vous dis, c'est parti super loin cette histoire. Donc, après ouverture de l'enquête du FBI, on a très vite retrouvé et interrogé le garde du corps, je mets des guillemets parce que, oh là là, ce gars-là... Il a vraiment pas inventé le fil à couper le beurre. Donc le garde du corps de Tonya, répondant au nom de Eckhart, 22 ans. Alors lui, donc le 12 janvier, donc il se fait prendre à son hôtel. Et il va très rapidement avouer son implication dans l'attaque concernant Nancy. Mais il balance également trois autres personnes dans l'histoire, à savoir Stant, Jeff Gilouli, donc... Et un certain Smith, qui était le conducteur de la voiture, qui a aidé le gars qui a frappé Nancy à partir. Bon, Nancy, de son côté, va faire une conférence de presse dans les jours qui suivent, hein, en disant qu'elle est dégoûtée, quoi, mais voilà... Elle se soigne, fait de la rééducation, bref, elle fait tout pour pouvoir être prête le jour des Jeux Olympiques d'hiver. Et là, le FBI va faire une découverte assez compromettante. Hein. Ils vont trouver des enregistrements où on peut clairement entendre deux des hommes qu'ils ont inculpés parler de cette fameuse attaque sur Nancy. Et donc là, on va en découvrir un peu plus. Donc, ce fameux Eckhart a embauché un type qui s'appelle donc Shane Stant, donc l'un des mecs qui l'a balancé hein, tout de suite. Donc il l'a payé 2000$ pour qu'il se rende à Boston, là où s'entraînait donc Nancy pour l'attaquer. Donc il avait une matraque télescopique avec lui dans ses bagages, sauf que ils ont fait ça comme des brêles. Tant mieux, vous me direz, mais ils n'étaient pas du tout préparés, c'était pas du tout des professionnels. Je me permets de sourire un peu parce que même Nancy, quand elle a lu le rapport, les témoignages, tout ça des accusés, elle-même elle en a rigolé tellement que c'était grotesque. Et il y a de quoi. Donc déjà pour commencer, le mec il avait oublié sa carte bancaire à Portland. Il a raté Nancy lors de ses entraînement à Boston. Du coup, il a dû prendre un car et se taper 20 heures de bus pour aller la rejoindre à Détroit, où là, elle s'entraînait à la patinoire Amar. Et c'est donc là, dans les vestiaires, qu'il l'a attaquée. Alors, selon les enregistrements, au début, il était question de lui sectionner le talon d'Achille. Sauf que Shane s'est dit, ouais, mais c'est quand même un peu cruel, quoi. Là, c'est pas juste pour une compète qu'elle va être HS, mais pour
toute sa vie, ça va l'handicaper, quoi. Donc, non, venez juste, on lui pète le genou, elle s'en remettra un jour. Bon, vu que Eckhart a également dénoncé Jeff, il va y avoir un mandat d'arrêt contre lui. 4 jours plus tard, il va se rendre au FBI. Et c'est donc le 27 janvier qu'il va avouer qu'il a orchestré donc l'agression contre Nancy et que cette agression implique, les 3 autres bonhommes, hein, Eckhart, Stan et Smith, mais également Tonya Harding. Alors elle va même faire une conférence de presse pour dire que non, elle a rien à voir avec tout ça, et elle dira même, je cite, « Malgré mes erreurs et mes aspérités, je n'ai rien fait pour violer les normes d'excellence en matière d'esprit sportif qui sont attendues d'un athlète olympique. » Mais le 1er février, en échange d'une peine plus légère, Jeff Gillooly témoigne contre son ex-femme, donc Tonya, et plaide coupable pour racket. Et quelques jours plus tard, on va faire une grande découverte, entre guillemets, si je puis dire. Enfin, une découverte vraiment fortuite, en fait. Il y a une dame qui va retrouver dans les poubelles de Tonya un papier où, en fait, dessus, on voit un dessin et des noms écrits. Alors, le nom de la patinoire où s'entraînait Nancy. Également, des sommes d'argent écrites dessus. Les mêmes sommes d'argent qui ont servi à payer donc le fameux stunt pour l'agression, mais grâce à des experts en... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les experts qui expertisent les écritures, on va reconnaître 2 écritures, celle de Tonya et celle de Jeff. Mais ce n'est pas encore assez suffisant pour arrêter Tonya. Toujours est-il que la fédération américaine ne veut pas que Tonya se présente aux Jeux Olympiques. Du coup, elle va les menacer avec ses avocats de 20 millions de dollars s'ils refusent de la laisser participer, estimant que c'est le montant en fait qu'elle perdrait en sponsor, etc. si elle ne pouvait pas concourir. Du coup, ils vont accepter qu'elle passe. 6 semaines plus tard, nous sommes le 17 février 1994. Nancy Kerrigan est rétablie. Elle peut concourir. Et alors là, vous doutez bien que la presse s'est jetée sur les Jeux Olympiques de cet hiver-là. Tout le monde voulait voir les 2 patineuses en train de s'entraîner sur la glace. Parce qu'elles ont des entraînements communs avant les compétitions, qui sont ouvertes au public, aux journaux, tout ça. Et tout le monde dit que c'était un truc de ouf, en fait. Dès qu'elles se croisaient sur la glace, on entendait les flashs s'affoler. Tout le monde voulait prendre des photos des 2 patineuses ensemble. Elles se sont évidemment évitées, elles ne se sont même pas regardées. Et pour couronner le tout, Nancy avait choisi de porter la même tenue blanche virginale qu'elle portait le jour de son attaque, en disant « L'humour, c'est bien, c'est stimulant. » Mais vous doutez bien que dans les vestiaires, ça a beaucoup, beaucoup parlé. On a pu entendre des « Elle ne s'en sortira pas comme ça. » Il y aurait même Surya Bonali qui aurait dit, après tout ce qu'elle a fait à Tonya, « Voilà, 3 petits points, en gros, espérons qu'elle va se planter. » C'était mon idole, Surya Bonali. Dites-moi ceux qui la connaissent. Franchement, elle, c'est... C'était ma favorite, quoi. Avec Nancy Kerrigan aussi, j'avoue. Mais certains vont dire « Le karma ». D'autres vont dire elle était pas prête, je sais pas. Bref, interprétez ça comme vous voulez. Toujours est-il que le 25 février, Tonya Harding va atterrir de justesse sur la glace. On est en train de l'appeler, elle est dans les coulisses. On voit qu'elle est en train de galérer avec ses patins et son équipe. Elle arrive de justesse avant d'être disqualifiée, quoi. Elle commence son programme et là, elle rate un premier saut avant de s'effondrer en larmes et d'aller voir les juges en leur montrant son patin. Alors là, apparemment, elle a un problème de lacet. Car, en effet, ce jour-là, Tonya ne retrouvait pas ses lacets. Il lui faut des lacets longs. Mais lacets courts, en fait, c'est pas assez. Vu qu'elle a un patinage, encore une fois, assez agressif, très très technique, il lui faut des longs lacets pour bien serrer tout le barda. Or là, elle les a pas trouvés, du coup elle a pris des lacets courts, sauf que apparemment elle en aurait pété un. Certains disent que les juges n'ont pas vu de lacets pétés, mais quoi qu'il en soit, ils ont accepté qu'elle repasse un peu plus tard. Mais est-ce que cet incident, ça l'a déconcentrée? Est-ce que toute la pression des dernières semaines qu'elle s'est mangée, ça l'a déconcentrée? Elle va complètement se foirer et atterrir à la 8e place. Nancy, elle, dès qu'elle va arriver sur la glace, tout le monde va être complètement dingue, quoi. Et justement, c'est ces Jeux Olympiques-là
que j'ai vue, que j'avais enregistrée sur VHS et tout, tellement que j'étais fan. Et je me rappelle du sourire de Nancy, déjà avec son chignon, sa robe blanche et noire, elle était magnifique. Et je me rappelle des présentateurs qui montraient des images de sa mère qui était malvoyante, et du coup elle regardait la télé genre à 5 cm pour voir ne serait-ce que les ombres de sa fille en train de patiner. C'était hyper émouvant, et bah, elle a fait un super programme quoi, vraiment elle était juste géniale. Et on voyait la tête de Tonya dans les coulisses en train d'applaudir, mais avec un air de 6 pieds de long, dégoûtée. Mais malheureusement, il y en avait une dans l'histoire qu'on avait oubliée. C'était la petite ukrainienne âgée de 16 ans, répondant au nom de Oksana Bayoul, qui a remporté la médaille d'or. Nancy a remporté la médaille d'argent. Et là, c'est marrant comment le public peut vite faire volte-face, parce que tout le monde a bien vu la tête dégoûtée de Nancy sur le podium. Mais déjà, avant qu'elles arrivent sur le podium, ils ont filmé deux des filles, donc Nancy et une autre, je ne sais plus qui c'était, celle qui a remporté du coup la médaille de bronze. Elles attendaient Oksana, donc pour monter sur le podium, et elle n'arrivait pas. Donc tout le monde était en attente et Nancy n'a pas dû faire gaffe en fait que son micro était branché, et on l'entend dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fout, c'est bon, c'est pas peine qu'elle se remaquille, de toute façon elle va encore chialer après ». Il s'avère qu'au final Oksana n'était pas en train de se maquiller, c'était simplement les organisateurs qui ne trouvaient pas la musique à mettre pour la montée sur le podium des filles. Ça, les gens, ça les a fait tiquer, ils se sont dit « Waouh, on l'a tout soutenue, elle est la petite princesse, la petite chérie d'Amérique, donc déjà elle est pas fair play, elle tire grave la tronche pendant la remise des médailles. En plus après on se rend compte qu'elle a dit ça dans les vestiaires, en plus c'est filmé, on l'entend quoi, c'est pas des oui-dire, on a vu le truc. Et pour ne rien arranger, elle va faire un défilé sur un podium à Disney World en compagnie de Mickey. Et là encore, elle va faire une remarque. Bah pareil, je crois qu'elle va pas percuter en fait que son micro est allumé. Donc on va l'entendre dire que « Oh, ça la gonfle ce truc-là, c'est ringard et tout machin. » What's this for? Well, this is going to be uplink to most of the stations across the country that are eager to hear about you. Les gens vont pas kiffer du tout, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, elle avait une 60aine de galas qui étaient prévus après ses championnats. Elle les a fait, elle avait également des sponsors. Bref, elle a continué, on va dire, sa carrière comme ça avant de prendre sa retraite. Et Tonya, de son côté, parce que donc l'histoire n'est pas finie, il y avait quand même pas mal de preuves accumulées contre elle. Mais le souci, c'est que bah là, elle n'avait pas remporté la médaille d'or, il n'y avait pas les sponsors qu'elle avait. Enfin bref, tout l'argent qu'elle aurait dû gagner a plu. Et ça l'aurait vraiment ruiné. Ça aurait ruiné tout le monde, en fait, de faire un procès qui allait traîner. En plus, au final, elle aurait peut-être été reconnue quand même coupable de quelque chose. Donc bref, ça n'aurait pas été très lucratif et très intéressant pour tout le monde, toute cette histoire. Donc, elle a plaidé coupable à l'accusation de complot en vue d'entraver les poursuites. Et elle va écoper de 3 ans de probation, ainsi que d'une amende de 110 000 $ et également 500 heures de travaux d'intérêt généraux pour faux témoignage. Et c'est là où, coup de grâce, en fait, quelques mois plus tard, on va lui retirer son titre de championne nationale de 1994 et elle va être bannie à jamais de l'USFSA. Donc en fait, elle n'a plus le droit de patiner en compétition. Et je trouve ça un peu dur. Je trouve ça dur parce que je vais continuer la suite et on en reparle après. Donc c'est la seule dans l'histoire qui va pas faire de prison. Les autres mecs, ils vont en faire. Pas très longtemps, mais ils vont quand même y aller. Mais elle, elle a pas l'argent pour payer l'amende qu'elle doit payer. Donc c'est là où il va y avoir la rumeur de la sextape. Donc il va y avoir une sextape qui va circuler d'elle et de son mari, enfin son ex-mari du coup, Jeff, qui aurait été prise lors de leur nuit de noces. Et cette sextape va être vendue pour 200 000 $. Alors là, je vous dis, il y a deux écoles, on va dire. Il y a ceux qui sont convaincus que c'est Tonya qui l'a vendu, peut-être pas de bon cœur, mais qui l'a vendu quand même pour avoir l'argent pour payer son amende. Mais Tonya, de son côté, dit que non, c'est pas elle qui a vendu cette tape, elle n'y est pour rien. Encore une fois, qui croire, bah,
on ne sait pas. En 95, Jeff Golooly sort de prison, il change de nom. Désormais, il s'appelle Jeff Stone. Mais lui, bon voilà, vu le personnage, on se doute bien qu'il n'y a pas un super avenir qui l'attend. Il va être arrêté deux fois pour violence conjugale sur sa seconde femme. Il va également être arrêté pour conduite sans permis, quoi. Enfin, son permis était suspendu. Après, voilà, on n'a plus trop entendu parler de lui. Tonya, de son côté, elle va essayer de se reconvertir dans d'autres choses. Elle va jouer dans un thriller en 1996 qui va passer complètement inaperçu. Elle va se reconvertir dans la boxe anglaise. Ce sera pour un programme qui s'appelle Celebrity Boxing, où là on va l'avoir affronté notamment Paula Jones en 2002. Mais deux ans après, elle va arrêter la boxe. Et là, c'est pareil. C'est frustrant en fait parce que j'ai pas réussi à trouver le fin mot en fait à chaque fois. C'est que là, pareil, il y a deux versions. Il y en a une qui dit qu'elle a arrêté à cause de son asthme. Alors c'est vrai qu'elle a toujours souffert de problèmes d'asthme. Mais il y a une autre version qui dit qu'elle a arrêté parce qu'elle aurait reçu des menaces de mort. Pareil, il n'y a pas des masses d'informations sur ces petits points là sur lesquels j'ai pas réussi à trancher, désolée. Ensuite, elle va participer à d'autres petits programmes de télé-réalité, mais rien de fou. Ensuite, elle va faire des boulots, on va dire, lambda. Donc, elle va travailler comme soudeuse, peintre également dans une entreprise de fabrication de métaux. Elle va également être vendeuse de quincaillerie chez Sears. Et aujourd'hui, elle vit à Washington. Elle est mariée, elle a un fils. Et ensemble, voilà, avec son mari, ils aiment bien travailler le bois, chasser. Bon, elle n'a pas d'armes. Parce qu'elle n'a pas le droit d'en porter, vu ce qui s'est passé. Donc elle chasse à l'arc, avec des flèches. Mais on a également pu la retrouver dans la 26e saison de Danse avec les Stars. Donc désormais, elle est paysagiste. Elle continue à patiner une fois par semaine. Et en 2018, elle va être à nouveau sous les feux des projecteurs. Car il y a le réalisateur Craig Gillespie qui va faire un film sur sa vie qui s'appelle Moi, Tonya. Et ce sera ni plus ni moins que Margot Robbie qui va interpréter donc Tonya. Et le film va très bien marcher. Alors, d'après le New York Times, on aurait d'abord versé à Tonya 1 500 $ seulement pour avoir cédé les droits de l'histoire de sa vie donc au scénariste Steven Rogers. Mais après, on ne sait pas combien elle a gagné quand le film est sorti et avec le succès qu'il a remporté. Donc Margot, pour son rôle, bah, elle a rencontré Tonya Harding, qui à ce moment-là avait 47 ans, afin de vraiment s'imprégner d'elle, de son caractère, du personnage, quoi. Parce que oui, Tonya est quand même un personnage, il faut le reconnaître. Et elle dit d'ailleurs que quand elle l'a rencontré, Tonya, la première chose qu'elle a voulu faire, c'est essayer de la convaincre qu'elle était innocente, quoi, qu'elle avait rien à voir avec l'attaque de Nancy. Et Margot, elle, de son côté, elle dit, je cite, « Dans cette histoire, les différents protagonistes donnent des versions contradictoires des événements. On ne peut se fier à personne. » Donc en gros, voilà, elle sait pas si elle lui dit la vérité ou pas. C'est compliqué de savoir. En tous les cas, sachez que Robbie Margot a été nominée aux Oscars pour ce rôle. Nancy Kerrigan, elle, de son côté, a refusé de voir le film. En revanche, la mère de Tonya, donc Lavona, la tête de Lavona quand elle a vu l'actrice qui jouait donc son rôle. En plus, j'adore l'actrice qui joue son rôle. Je me rappelle jamais de son nom, mais je l'adore. Is that me? She doesn't even look like me. Bah, elle continue, hein, même après le film, tout ça, à dire que non, non, elle n'était pas comme ça avec sa fille. C'est pas vrai. Et Tonya, de son côté, par contre, elle est hyper ravie du film. Elle était même présente aux Golden Globes de 2018, ainsi qu'à plusieurs nominations qu'il a eues. Il en a eu plein, hein. Il a également été nominé au BAFTA, au Golden Globes, donc au Critics' Choice Awards. Et donc la mère, voilà, c'est Alison Janney. Elle va remporter 6 récompenses pour le rôle de la mère abusive de Tonya. Alors, je reviens sur le film après, mais je termine l'histoire. Tonya, donc, comme je vous dis, elle a toujours nié les accusations comme quoi c'était elle, en fait, qui avait prémédité l'attaque. Par contre, ce qu'elle a dit par la suite, tout ça, c'est que elle avait effectivement entendu son ex-mari avec voilà le bodyguard, enfin bref, parler d'un complot, d'une agression prévue sur Nancy. Et voilà, elle dit qu'en fait ça a été là, elle peut être accusée de ça en fait, c'est d'avoir entendu parler de cette histoire, mais de ne pas en avoir parlé à la police. Et quand on lui demande mais pourquoi, elle dit bah, je pensais pas en fait qu'il passerait à l'acte, quoi. Voilà, elle a pas pris ça au sérieux, donc là-dessus elle s'en veut. Elles se sont retrouvées
elle et Nancy sur un plateau d'émission de télé. C'était assez tendu comme ambiance, normal en même temps. Tonya s'est à nouveau excusée auprès d'une Nancy glaciale. Et quand on lui demande maintenant, est-ce que vous avez reparlé à Nancy, est-ce que vous êtes excusée, elle dit, franchement, c'est bon, je suis saoulée, quoi. J'en ai marre de m'excuser, c'est bon, quoi. Elle, de son côté, Nancy, elle dit que c'est elle la victime, en fait. C'est pas Tonya, quoi. Donc, faut pas non plus inverser les rôles, parce que là, maintenant, les gens commencent à douter, à se dire, ouais, mais quand même, ça a été cher payé, quoi. On lui a retiré son titre, elle a été bannie à vie de toute compétition. C'était quand même un peu beaucoup. Et Nancy rappelle, ouais, mais elle a voulu me péter le genou, quoi. Elle a voulu me péter la jambe, c'est grave ce qu'elle a fait, quoi. Donc non, c'est moi la victime. Bref, dans tous les cas, le film, je suis dégoûtée parce qu'il est sur Amazon, hein, et il est payant. Et c'est là où je me demande, mais à quoi me sert mon fucking abonnement, parce que j'ai un abonnement Amazon, mais le nombre de films qui sont payants, c'est abusé, quoi. Et justement, je voulais me le faire, là. Je me suis dit, vas-y, j'ai fait mon script et tout, maintenant je vais aller regarder les films. Punaise, il est payant à acheter ou louer, quoi. Ça, c'est un truc qui me gonfle sur Amazon, je suis dégoûtée. Bon, moi, cette histoire m'avait quand même fascinée à l'époque, et pour moi, Tonya a toujours été la méchante. Je ne vous cache pas que là, dans les interviews, je pense qu'on est tenté de ne pas la croire. Enfin, moi, en tout cas, elle ne me convainc pas. Moi, je pense qu'elle était vraiment derrière cette histoire. Ou alors, elle est tout simplement victime d'elle-même, quoi. Effectivement, elle est grande gueule, elle est tout ça, et c'est très facile, du coup, de l'accuser, elle. Je sais pas, parce qu'il est vrai que si Tonya remportait les Jeux Olympiques, l'argent qu'elle allait gagner, forcément, Jeff allait en profiter. On peut quand même dire que pour les deux, en fait, c'était tout bénef. Donc, est-ce qu'il a orchestré ça tout seul de son côté pour qu'elle gagne et après profiter de sa thune, quoi? C'est possible. Est-ce qu'ils ont monté ça ensemble? C'est possible. Enfin, il y a quand même eu, voilà, le fameux papier où elle a écrit dessus le nom de la patinoire de Nancy, tout ça. Pourquoi elle a écrit ça? Pourquoi elle s'est renseignée pour savoir où Nancy s'entraînait? Donc voilà, à mon avis, bon, elle était, je pense, au courant. Est-ce que ça méritait qu'elle soit bannie à vie de la compétition? Ça, c'est la grande question que je vous pose. Je sais pas. Je vais me faire l'avocat du diable. Même moi, je suis mitigée avec mon propre avis, hein. Je suis même pas certaine, en fait, de ce que je vais vous dire là. Mais je me dis, quand on voit la vie pourrie qu'elle a eue, est-ce qu'elle méritait, du coup, d'être bannie à vie? Et d'un autre côté, on peut se dire, non, mais c'est quand même grave ce qu'elle a fait, parce qu'ils auraient vraiment pu lui briser sa carrière également à Nancy, quoi. S'il lui brisait complètement la jambe, elle n'aurait jamais pu concourir. Donc, dans le doute et dans le risque, et ne serait-ce que pour l'acte commis, bien sûr que Tonya mérite d'avoir été bannie. Et c'est là où je vous dis que finalement, c'est triste. C'est que Tonya, personnellement, le personnage me fait de la peine. Quand on voit la vie qu'elle a eue, la mère qu'elle a eue, l'éducation qu'elle a eue, même le mari qu'elle a eue à cette époque-là, et le traitement de la presse, et le traitement de la fédération, j'ai l'impression, hein, qu'à force de diaboliser quelqu'un, à force de le traiter comme le vilain petit canard, on finit par en faire le vilain petit canard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je me demande vraiment quelque part si Tonya n'en est pas arrivée à là à cause de tout ce qu'on a mis sur elle, en fait. Bah, elle a fini par péter les plombs et par faire quelque chose que peut-être elle n'aurait pas fait si on l'avait un peu mieux traité dans le milieu. Voilà, je cautionne pas du tout ce qu'elle a fait. Pour moi, la punition, quelque part, oui, elle est méritée. Mais quand on voit derrière comment tout le monde s'est comporté avec elle, je me dis, bah, ouais, c'est limite comme s'il l'avait un peu poussée à bout, quoi. C'est pas quelqu'un, je pense, de très... Je pense qu'elle est très solide psychologiquement, parce que déjà, pour être sportif de compétition, il faut avoir un mental d'acier. Mais je pense qu'elle a basculé du côté obscur parce qu'elle a été trop maltraitée, en fait. Et je pense que ça lui est monté au cigare. Voilà, en tout cas, moi, c'est l'avis que j'ai. Hein. Je n'ai pas envie de lui taper dessus à cette femme-là, malgré ce qu'elle a fait. Au final, on va dire, voilà, ça se finit pas trop mal. Nancy s'en est bien remise. C'était pas très grave. Si ça avait été beaucoup plus grave, j'aurais peut-être pas le même discours. Je vous le cache pas. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un peu d'habitude. Est-ce que vous connaissiez ces fameuses patineuses? Est-ce que vous vous intéressez déjà au patinage? Je me suis dit, c'est tellement magnifique, le patinage artistique, c'est, pour moi, c'est le plus beau sport au monde, en tous les cas, je trouve. Et ouais, cette histoire m'avait beaucoup, beaucoup marqué à l'époque. Donc encore une fois, merci à mon abonné de m'avoir rappelé cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé le commentaire de quelqu'un que j'ai vu dans un reportage justement là-dessus, je ne sais plus qui c'était, mais que je trouvais très juste. Cette personne-là disait, Tonya n'est pas aussi mauvaise qu'on le pensait et Nancy n'est pas aussi gentille qu'on le pensait. Je trouve que cette phrase sonne assez juste, donc on finit là-dessus. Je parle doucement parce que si à mon temps elle va revenir, donc n'oubliez pas que pour vous inscrire sur eBay Club, vous avez le lien en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous. Je t'ai entendu.
club on the beat, so twerk it, bitch. Like.